Nous sommes devant l'exposition de Jean-François Faure, intitulée « Les vies brisées du Rana Plaza ». Cette expo s'inscrit dans le cadre du festival « Film et le travail 2017 ». Le drame de Rana Plaza au Bangladesh. Rappelez-vous, l'effondrement d'un immeuble qui abritait plusieurs usines de textiles produisant des marques occidentales. Bilan, 1138 morts et plus de 2000 blessés. Des grandes marques qui trouvaient là un environnement extrêmement favorable à la production, conditions de travail désastreuses, salaires minables, pas de conditions de sécurité. Les photos de ces femmes bouleversent. Traumatisées à vie, certaines ne peuvent plus travailler. En face, le fleuron de la place de la mairie, le magasin H&M, qui, après ces terribles événements, a transféré 80% de sa production d'Asie en Éthiopie. Pourquoi ? Le Wall Street Journal a calculé que le coût de production d'un vêtement fabriqué en Éthiopie est moitié moins cher que celui fabriqué en Chine, à cause des salaires moindres en particulier. Cette coïncidence ne peut pas laisser indifférent. Elle est le reflet de notre société de consommation et de toujours plus de croissance. Une croissance qui s'appuie en particulier sur l'esclavagisme des femmes et des enfants.